Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Tout de suite, c'est parti pour mon pari public, un pari que je t'ai sélectionné pour ce week-end et dont je vais t'expliquer l'analyse tout de suite. Comme la semaine passée, je vais me diriger au Japon dans la deuxième division, la J2 League ou la J2 League, dans le match Machida contre Kumamoto. Attention, ce match a lieu dimanche, mais au matin, à 7h du matin, donc ne te fais pas piéger. Place-le le plus tôt possible si tu désires le placer et si tu es d'accord avec mon analyse, bien entendu. Tout de suite, je te donne l'analyse, mais avant de t'expliquer cette analyse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Au niveau du classement entre ces deux équipes, on a Machida qui est sixième au classement et Kumamoto qui est huitième au classement. Mais le classement n'est pas vraiment important pour mon pari. Alors je te préviens que cette semaine, enfin ce week-end, ce ne sera pas un BTTS comme tu en as l'habitude. Au niveau des face-à-face entre ces deux équipes, avec le match qui a lieu à Machida, eh bien on a rien en 2022 ni 2021. Il faut remonter en 2018. Donc il y a déjà quelques saisons, ce qui est forcément un peu moins pertinent, un peu moins important pour mon analyse. Et tout de suite, je vais donc me diriger vers les statistiques qui ont attiré mon regard. Alors, première chose que tu peux remarquer ici, hein, comme tu vois, je me suis mis sur le match Machida contre Kumamoto. Ce qui a attiré mon regard, c'est directement ici toute la value que j'ai sur le marché des buts, que ce soit BTTS. Plus de 1,5 buts, 2,5 ou 3,5 buts, j'ai de la value sur toutes les cotes, en tout cas estimée par l'algorithme de Goal Profit. Qui dit de la value sur le marché des buts, dit de la value aussi sur le. Ici, c'est le marché des buts full time, mais on sait bien que tous les marchés sont liés, donc ça signifie qu'il y a de fortes chances aussi qu'il y a de la value sur le marché des buts en première mi-temps. Et c'est justement sur cette première mi-temps que je me suis intéressé, vu qu'on voit que. Eh bien, au niveau de Machida, eh bien, dans 7 de ces 10 matchs à domicile, eh bien, il y a eu au moins un but en première mi-temps. Ça veut dire qu'en gros, sur tous les matchs, ici, on a les scores en première mi-temps. Sur les 10 matchs, eh bien, il y a eu seulement 3, enfin, seulement, non, c'est la moyenne, hein. Il y a eu 3-0-0. Il faut savoir que c'est la moyenne, hein. Par contre, du côté de Kumamoto, on est au-dessus de la moyenne. On a 83, donc sur 12 déplacements. Eh bien, dans 10 matchs, il y a eu au moins un but. Ça veut dire que sur les 12 résultats ici, eh bien, j'ai seulement 2-0-0. Okay? Donc, si je cumule les stats de ces deux équipes, ça veut dire que là, j'ai 7 matchs, 10 matchs. J'ai 17 matchs sur 22 joués, hein, le total des deux équipes, hein, 17 matchs sur 22 joués, où il y a eu au moins un but en première mi-temps. Okay? Et, ben, à contrario, donc 17, 20, si je ne dis pas de bêtises, 17, 22, ça veut dire qu'il y a eu 5 matchs sur ces 22 où il y a eu 0-0. C'est justement ce 0-0 que je veux éviter pour mon prochain pari, vu que le pari que je conseille de placer sur ce match, c'est le plus de 0,5 buts en première mi-temps. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un but ou plus en première mi-temps pour gagner le pari. Si jamais il n'y a pas de but en première mi-temps, eh bien, le pari est perdu. Alors pourquoi? Bien, pour toutes les stats que je viens de te présenter ici, mais aussi la cote, vu qu'il y a, malgré ces stats, qui sont quand même bonnes, la cote reste intéressante. Sur les bookmakers.com, on a une moyenne de 1,55. La cote max est à 1,67, mais sur un bookmaker que je ne connais pas du tout, d'Alphabet, donc je ne peux pas vraiment le prendre en compte, parce qu'en plus ça tombe, c'est une promotion ou une cote boostée. Bref, je vais éliminer le 1,67, mais celle d'après, c'est 1,62 sur William Hill. Donc 1,55 en moyenne. Alors sur Pinacle, j'ai 1,55 aussi. Et ce que tu peux faire, si tu le places sur Orbitix, qui est un betting exchange, il est actuellement à 1,53, mais attention, le marché n'est pas formé. Donc si tu le places sur un betting exchange comme Orbitix, je te conseille de le placer à 1,60 en cochant la case Keep pour garder ton pari, même s'il n'est pas accepté avant le match. Il sera accepté dans les premières secondes, les premières minutes du match, mais probablement même avant le match. OK? Alors, si tu veux accéder à ces cotes, hein, les cotes de Pinacle ou les cotes de Betfair,
traduit en PS3838 ou OrbitX, mais c'est la même chose, eh bien, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo, le lien de ma formation Betfair. Elle est gratuite pour le moment et je t'explique la démarche exacte pour avoir tes accès en moins de 24 heures. Donc, c'est très intéressant et c'est même indispensable à faire en tant que parieur. J'ai fait tout pour toi, j'ai filmé mon écran, comme ça, tu n'as pas de questions à te poser. Et même si tu as des questions, tu peux toujours me les poser. Donc, n'oublie pas, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Je rappelle le pari pour le match qui a lieu dimanche à 7h du matin, Machida contre Kumamoto. Plus de 0,5 buts en première mi-temps, soit à 1,55 sur Pinacle, PS3838, ou soit à 1,60, à prendre à 1,60 sur Betfair OrbitX. OK? Donc, dis-moi si tu es d'accord avec ce pari. Si tu es d'accord, laisse-moi un like. Si tu n'es pas d'accord, laisse-moi un dislike et n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire ou toutes tes remarques. On est là pour partager. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite un bon week-end et un excellent pari à toi.